des quatre coins du monde pour défendre les couleurs de leur pays. Ils ont été élus par 300 millions de téléspectateurs et ont vendu plus de 30 millions d'albums. Voici les 11 champions des Académies mondiales. Avec pour l'Argentine, Emmanuel. Pour la Russie, Julia. Pour l'Allemagne, le groupe Become One. Pour le Brésil, Nalanda. Pour le Canada, Winfred et Marie-Hélène. Pour le Chili, Monica. Pour le Royaume-Uni, Alistair. Pour l'Espagne, Miguel et Davinia. Pour le Mexique, Darina. Pour le Liban, Bruno. Et pour la France, Elodie. Ce soir, il n'en restera qu'un. Qui sera le premier gagnant de World Best? Mesdames et messieurs, accueillons nos deux maîtres de cérémonie, Estelle Lefébure et Nikos Aliagas. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir Estelle. Good evening everyone. Bonsoir. Good evening, sweet Estelle. Je suis ravi de vous retrouver. Moi aussi. Ravi de retrouver aussi un public formidable. Bienvenue à Cannes. Nous sommes au Palais des Festivals en direct du MIP TV pour cette deuxième grande finale internationale des jeunes stars de la chanson. C'est-à-dire qu'il y aura 18 candidats qui représentent 11 pays sur ce plateau ce soir. Et c'est la première fois qu'ils sont tous réunis. Ce sont les plus belles voix dans leur pays. Welcome to the French Riviera, live from the MIP TV in Cannes for the second edition of the competition of young singers. 18 candidates representing 11 countries will take the stage tonight, Nikos. L'an dernier, la compétition s'appelait Eurobest, vous vous en souvenez, il y avait 9 pays. Cette année, la Star Academy a conquis un territoire beaucoup plus large. Il s'agit maintenant de World Best. C'est une compétition mondiale retransmise sur TF1 en direct ce soir, mais également dans une trentaine de pays. Nous saluons d'ailleurs tous les pays qui sont avec nous et qui se mobilisent pour retransmettre techniquement cette émission en direct. C'est une soirée événement. Voici le tube international qui est l'hymne de la Star Academy cette année. Ladies and gentlemen, La Bamba! Soy capitán, soy capitán, soy
Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to this candidate to the title of World Best. Avec le Brésil, Nalanda. Royaume-Uni, Alistair. Le Liban, Bruno. Espagne, Miguel and Davinia. Le Mexique avec Darina. Allemagne avec Become One. Le Canada avec Marie-Hélène et Wilfred. Chili, Monica. L'Argentine avec Emmanuel. La Russie avec Julia. Et la France avec Elodie. Ils viennent donc des quatre coins du monde, ils vont faire le show ce soir. Et vous allez voir qu'ils ont beaucoup de talent, Nikos. Et pour ceux qui nous regardent dans le monde entier, une star internationale va nous accompagner tout au long de la cérémonie, Estelle. Oui. Depuis le début de sa carrière, il a vendu près de 100 millions d'albums. We are just about to kick off the World Best Competition. Ils sont là pour tout le monde, je crois aussi. But before we do, let's welcome the artist who's kindly agreed to be our guest of honor. Ladies and gentlemen, please welcome Lionel Richie. Lionel Richie. Huesitos de Soprole tiene una misión X para ti. It's time to discover the first contestant. She comes from Brazil. She's the winner of La Fama. Her name is Nalanda. Fama, c'est tout d'abord l'histoire du plus grand casting musical jamais organisé au Brésil pour une émission de télévision. Des milliers de jeunes artistes emplis d'espoir y tentent leur chance. Parmi les 12 heureux sélectionnés, la jeune Nalanda, originaire de Bahia. La gloire, c'est ce qu'ils espèrent tous trouver en sortant d'ici à l'issue des 10 semaines de cours intensifs. Pour faire partie des meilleurs, une seule leçon, sueur et labeur. Nalanda connaît bien la chanson, car cette jeune passionnée de 21 ans est sur les planches depuis l'âge de 8 ans. Après des années de cours de chant et de guitare, elle a apprivoisé la scène grâce à différentes expériences dans des troupes de danse et de carnaval. Pour les 10 millions de téléspectateurs qui suivent chaque semaine les aventures de la Fama, c'est un véritable coup de foudre. Les professionnels ne sont pas en reste. Repérée pour ses qualités de showwoman lors des primes, Nalanda sera réclamée dès sa sortie sur le devant de la scène. C'est tout ce dont je rêvais, un show musical, vivre enfin la vie d'artiste. À peine sortie de la Fama, elle a aussitôt enregistré son premier album et interprète le générique de l'une des séries télévisées les plus populaires de son pays. Actuellement vedette d'une comédie musicale à Rio, l'étoile montante du Brésil va briller ce soir dans le ciel de Cannes. Ce soir, Nalanda va nous interpréter une chanson d'une autre bombe latine, Shakira. Ladies and gentlemen, give a big hand for Nalanda singing Shakira's Whenever, Wherever. Nalanda, pour le Brésil. Maybe I will climb the end. It's only about the freckles on your body. Never could imagine there.
pour la robe d'Estelle, mesdames, messieurs. Here's a list with the classic by Bryan Adams, Everything I Do. Très belle interprétation. Thank you, Alistair. Nous sommes également en direct ce soir au Liban. On salue les téléspectateurs du Liban. Bruno nous interprète un tube incontournable de Ricky Martin sur une chorégraphie signée Kamel Wally. Here comes Bruno singing La Copa de la Vida. La vida es competición. Hay que soñar, ser campeón. La copa es la bendición. La ganarás, go, go, go. And when you feel the heat, the world inside your feet. No one can bring you down if you really want it. Just steal your destiny, right from the hands of fate. Reach for the cup of life, cause your name is on it. Do you really want it? Voici As, un titre de George Michael, revu et corrigé par Miguel et Davina. Ils représentent l'Espagne. There's hate, no love secure. You can rest your mind assured that I'll be loving you always. Until the rainbow burns, the stars are gone.
Today I know I'm living for tomorrow. Could that may be the past, but that I mustn't feel, 'cause you're here. Now I know deep in my mind, the love of me I left behind. Attention, c'est que pour le plaisir. Messieurs et mesdames les membres du jury, on ne note pas, on chante et on donne la bonne énergie. Voici un medley de l'une des plus grandes stars du monde. An international star is here with us tonight. He will perform his most famous songs with the candidates. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Phil Collins. Phil Collins est avec nous ce soir. Take your heart back.
Une ovation pour Monsieur Phil Collins. Thank you, Phil Collins. Bonsoir, Thank Phil. You very much. Thank you for being here with us tonight. Merci, merci d'être avec nous. Thank you for being merci. Here. Woo. Vous connaissez la Star Academy française. Vous connaissez les Italiens. Non, ouais, vous non. les avez vus. Non, j'ai déjà vu. Vous, en tous les cas, vous avez la Star Academy mondiale oui, ici oui, ce soir. Non, je connais, oui, et vous les aidez toujours, vous donnez beaucoup toujours avec beaucoup de générosité et de simplicité. Soyez-en remerciés. Bien, merci. Here is Darina singing a hit by Mariah Carey, Hero. Chanteuse mexicaine. Elle a beaucoup de mérite parce que ça a été très difficile. Merci.
Here comes Become One from Germany. They are going to sing a song by Irene Cara. C'est le seul groupe de cette compétition de World Best. Voici les candidats allemands. Ils nous interprètent un tube que vous connaissez tous. Fame! Présenter l'Allemagne ce soir. Become One. Avec une chorégraphie très efficace, très précise. Thank you very much. Ils sont les deux finalistes de la version canadienne de la Star Academy. Et là-bas, leur château Estelle est plutôt sous la neige. Yeah, the next contestants are the two finalists of Star Academy from Canada, Wilfred and Marie-Hélène. Marie-Hélène et Wilfred, quand l'une fait trembler son public par sa grâce, l'autre le fait vibrer par sa force. Pour vous planter, aucun couteau. Quand elle joue du violon, il se défoule sur sa guitare. Marie-Hélène et Wilfred évoluent dans deux univers différents, mais ils ont un point commun. Ils ont tous les deux fait fondre des millions de téléspectateurs canadiens qui ont élu Wilfred grand gagnant et Marie-Hélène finaliste de la Star Academy. Et pourtant, ils ont bien failli ne jamais faire partie de l'aventure. Perdue au milieu des 4000 candidats, Marie-Hélène, encore étudiante en secrétariat, aurait fait marche arrière si sa mère ne l'avait pas poussée. Pêcheur de 25 ans, Wilfred, lui, a eu du mal à quitter son bateau. Il s'est finalement laissé charmer par les sirènes de la gloire. Et c'est donc au nord de Montréal, à Sainte-Adèle, qu'ils seront 14 à passer 10 semaines dans ce château. Mais nos deux finalistes ont du mal à s'acclimater à la vie en communauté. La réserve et la timidité de Marie-Hélène l'isolent du reste du groupe. Quant à Wilfred, l'homme du grand large, il vit mal ce huis clos. Ce sera lors des dernières semaines qu'ils vont enfin s'épanouir. Marie-Hélène est alors comparée à un papillon qui vit ses premiers battements d'ailes. Pour Wilfred, c'est la consécration. Au château, il passe son temps à composer, si bien que le public connaît déjà par cœur ses chansons et reprend avec lui chacun de ses refrains. Je vis du vent pour toi, j'ai beau être marin, je vis loin de la rive.
Et depuis sa sortie, c'est une star. En quelques mois, il a déjà raflé tous les prix, celui de l'artiste comme de la chanson de l'année. Pour Marie-Hélène, le rêve continue puisqu'elle a déjà chanté à Las Vegas aux côtés de Céline Dion. Elle se prépare désormais à une belle carrière internationale. Ce soir en direct sur TF1, la compétition mondiale, un concentré de talents qui nous viennent des Star Academy des quatre coins du monde. Vous aimez les voir? Est-ce que vous aimez les voir? Vous allez en avoir. Wilfred et Marie-Hélène nous interprètent ce soir un tube mondial signé Bonnie Tyler, qui est numéro 1 en France depuis 10 semaines. C'est une chanson indémodable. Wilfred and Marie-Hélène take the stage with a big hit, Turn Around. Je tourne en rond pour le Canada ce soir, en direct pour World Best. Je tourne en rond. Tu sais que quelquefois je me sens seul et perdu. Est-ce que tu me reviendras? Je tourne en rond. Tu sais que quelquefois je me sens loin de toi. Est-ce que tu te souviendras de moi? Sur la terre entière, je me sens abandonné. Dis, est-ce que tout ça va changer? Pour habiter ma solitude, mon mieux, moi qui ne sais qu'être deux. Every now and then I get a little bit angry, and I know I've got to get out and cry. Every now and then I get a little bit terrified, but then I see the look in your eyes. Je tourne en rond sans toi. Tu sais que quelquefois j'ai peur de toi. Je tourne en rond sans toi. Tu sais que quelquefois j'ai peur de moi. Et j'ai tant besoin de toi. Et j'ai tant besoin de ta voix. Et on m'invente les règles du jeu quand on est tous les deux. Jusqu'au bout du chemin, je tiendrai dans ton ombre si tu me prends la main. Retiens-moi si je sombre, je suis ta prisonnière. Fais-moi de notre monde, j'ai la tête à l'envers. J'ai vraiment besoin de toi. Si demain commençait ce soir, si demain commençait ce soir, peut-être une fois une femme amoureuse, peut-être un petit peu trop rêveuse. Tant pis si j'en pleure, tu as tous les droits sur mon cœur. Light in my life, now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. The total eclipse of the heart. Si demain commençait ce soir. Une standing ovation, tout le public du Palais des Festivals est debout. Pour Wilfred et Marie-Hélène. Ah, les Canadiens, ils savent chanter, les Canadiens. Très belle performance vocale, à l'unisson, deux voix exceptionnelles. Thank you very much. L'émotion plus grande, elle est à vous. Julie Snyder. Chili. Représenté par l'une des candidates d'Operación Triunfo. Let's now meet the candidate from the Operación Triunfo of Chile. Her name is Monica. Son portrait. La personne.
persona que... L'élève qui partira à Cannes pour représenter le Chili est Monica. Le 14 septembre dernier, Monica, 23 ans, étudiante dans une école de commerce, remporte la victoire d'Opération Triunfo au Chili et obtient ainsi son passeport pour Cannes. Tout commence le 6 juin dernier, le soir du premier prime time. Le ton est donné. Ils sont 20 candidats, il n'y a que 16 places dans l'Académia. Après une prestation très remarquée, Monica fera partie de l'aventure. Semaines de travail attendent les candidats. Au programme, 7 heures de cours par jour données par 6 professeurs intransigeants avec un seul but, faire de ces jeunes chanteurs de véritables artistes. Perfectionniste, Monica est prête à tout donner pour atteindre son rêve. C'est une redoutable battante. Au sein de l'Académia, la jeune femme rebelle et volontaire a naturellement imposé son style. Un style qui, dès les premiers jours, n'a pas laissé Caco, l'un de ses colocataires, indifférent. Cette sincère histoire d'amour, qui a été révélée au gré des émissions à des millions de téléspectateurs, a largement contribué au succès du programme. Et c'est à travers un premier titre que Monica a souhaité rendre hommage à son tendre Hidalgo. Depuis, à chaque représentation de Monica, désormais inséparable de Caco, c'est l'émeute. Des milliers de fans viennent des quatre coins du pays et ne manqueraient pour rien au monde le passage de leur idole. Ce soir à Cannes, Monica la Chilienne souhaite conquérir le cœur des téléspectateurs. Et attention, Caco ne doit pas être bien loin. Monica sings a great hit from the 70s and a big hit today thanks to the movie Moulin Rouge. Merci d'encourager l'ambassadrice de la sensualité chilienne. Elle est belle, elle est tigresse, elle est sexy. Elle interprète Lady Marmalade, une chanson reprise dans le film Moulin Rouge. Musique, chorégraphie signée Jamel Wally. Dream.
joueuse déterminée et sexy. Monica. Pour le Chili. Bonne chance à vous, Monica. La compétition est de plus en plus dure. Hein. D'autant qu'elle a appris les bonnes phrases en français. Hein. Well, it's time for a young man to take the stage. He's the winner of the Operación Triunfo of Argentina. Here is Emmanuel singing a big hit, Film. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running from my veins, going to waste. And I need to feel real love, and the love ever after. I cannot get it. Mais alors, elle est là, et là je peux vous dire que c'est pas l'usine, c'est du talent brut. Julia, 17 ans, elle chante un tube de Nathalie Imbruglia. Julia, take the stage with a big hit, Torn. Allez, Julia. Welcome back, everyone. We have almost come to the end of the World Bass Competition live from Cannes. In just a few minutes, one country will emerge victorious. There's only one contestant left. She's the winner of the French Star Academy. Notre dernière candidate a remporté la Star Act 3. C'était la veille de Noël, le 20 décembre dernier. Vous l'avez suivi et soutenu pendant près de 4 mois. Il s'agit d'Elodie, bien sûr, et avant de l'écouter chanter, je vous propose, Estelle, de revivre en images son fabuleux parcours, l'éclosion d'une vraie chanteuse nommée Elodie. Elodie. Elodie, Elodie, grande gagnante. Le 20 décembre dernier, devant plus de 10 millions de téléspectateurs, c'est Elodie qui remporte la Star Academy 3. Une victoire qu'elle doit aussi à ses professeurs. Je voulais vous dire merci, vous m'avez fait grandir et maintenant je suis fière.
L'aventure a commencé cet été. Élodie a 21 ans, elle vit à Cosne-sur-Loire. Son temps, elle le partage entre son travail de secrétaire et sa passion pour la guitare et le chant. Jusqu'au jour où son frère l'inscrit à son insu au casting de la Star Academy. Son charme et son talent tapent immédiatement dans l'œil du jury. Et lors du premier prime, le public n'a Dieu que pour cette jeune fille attachante. Ce soir-là, ils seront 16 à découvrir pour la première fois leur nouveau lieu de résidence. Un château situé à quelques kilomètres de Paris, où Élodie va séjourner pendant 17 semaines. Félicitations à tout le monde ! On l'imagine forte, Élodie est pourtant la plus vulnérable du groupe. Son manque de confiance en elle l'empêche d'exceller, même si elle a trouvé en Édouard son plus fidèle admirateur. Car au château, elle a non seulement la chance de vivre sa passion pour la musique, mais aussi celui de connaître l'amour. Et lorsqu'Edouard doit quitter l'académie, Élodie lui fait la promesse de trouver la force de se surpasser. Et le premier déclic, elle l'aura au théâtre. T'es jamais vu comme ça. C'est bien. Au fil des primes, Élodie gagne de l'assurance, propulsée par les encouragements du public et de Michal, son meilleur ami au château. Et surprise, le soir de la finale, Élodie, à l'annonce de sa victoire, décide de partager ses gains avec Michal. Une première dans l'histoire de la Star Academy. Un album qui se vend par milliers, une tournée qui affiche complet, Élodie est devenue un véritable phénomène national. En 4 mois, elle a déjà fait la couverture d'une trentaine de magazines. Élodie, it's now your turn to shine on with one of the Céline Dion's most beautiful songs. Toute la France derrière Élodie ce soir, sur une chanson de Céline Dion. Elle a choisi de nous interpréter En rouge passion, s'il suffisait d'aimer. Élodie est accompagnée au piano par son camarade finaliste Michal de la Star Act 3, Michal. Tonnerre d'applaudissements et bonne chance, Élodie. Je rêve son visage, je décline son corps, et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant aimé tout si j'avais su parler. Comment le faire lire au fond de mes pensées? Mais comment font ces autres qui tout réussissent? Qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi. Moi je vous vends mon âme, mon cœur et tout mon temps. Mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si on changeait les choses un peu. Changer les choses un peu, mais on est moins donné.
Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, Mr. Lionel Richie. Lionel Richie est avec nous ce soir. Allez, on chante à Cannes. Some fun, throw away the work to be done. Let the music play on, play on, play on. Everybody sing, everybody dance. Yeah. Lose yourself in white romance. We're gonna party, come and feel some forever. Come on and sing along. Mondiale. Avec Emmanuel, Elodie, Monica et Julia. A big hand for the 11 judges. Voilà, attendez. 74 points. 74. Les notes de la tigresse chilienne, Monica. Here comes the notes for Monica from Chile. Monica, a-t-elle séduit, mesdames et messieurs, les membres du jury, avec cette mise en scène on ne peut plus sexy de Kamel Wally? Le canapé de Lady Marmelade, Roulin Rouge. On va le savoir tout de suite. Monica a été notée. L'angoisse monte. Oh. 70 points. Oui, 70 points.
Ouais, belle prestation. Bien plus qu'honorable, elle prend la seconde place. Avec 3-10. And finally, the notes. Arrivée zen, tranquille, qui a juste voulu participer. Elodie qui a fait une remarquable prestation. Lionel Richie is gonna come. Elodie. Venez, Elodie. Elodie, venez. Here's the trophy. Elodie. Son visage décline son corps. Et puis je m'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire si j'avais su parler. Comment lui faire lire au fond de mes pensées. Mais comment pensent ces autres à qui tout réussit. Qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi. Moi je voudrais mon âme, mon cœur et tout mon temps. Mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. S'il suffisait.